Bonjour, bonjour, chers internautes. Il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir 1 giga ou plus sur une application. Un VPN qu'on appelle. Cette VPN s'appelle. C'est VPN IGA. VPN, c'est pas c'est IGLA, ça veut dire quoi? Bon, je ne maîtrise pas trop le nom. Ça s'appelle IGVPN. Il ne maîtrise pas trop le nom. Ouais, c'est ça qu'elle a. Ça en fait. D'accord. Et moi, je l'ai déjà téléchargé. Et on peut télécharger sur Play Store. Mais l'application là, ça sera en dessous de ma page YouTube. Sur cette vidéo là. Quand vous allez cliquer ici en dessous de cette vidéo là, vous allez voir l'application. Et avec l'application. Si vous invitez un ami, vous pouvez avoir connexion gratuite. Par exemple, ici en haut comme ça. Ici en haut comme ça. Dès que vous téléchargez l'application, vous avez 500 mégabits. Vous avez 500 mégabits. Et on va rentrer là-bas. Vous voyez. On ici, vous regardez une courte vidéo, vous avez 200 mégabits. Pardon, plus de 25 mégabits. Si vous complétez l'offre, vous avez plus de 100 mégabits. Maintenant, si vous invitez un ami, vous avez plus d'un giga. On peut c'est un giga, parce qu'un giga, ça fait 1024 mégabits. Ça fait un giga. Ok. D'accord. Et voilà d'autres aussi. Ici, on dit check, day check-in, vous pouvez avoir des 275 mégabits et tout comme ici. C'est les 1 giga qui nous intéresse. Moi-même, j'ai mis la description du lien en dessous de cette vidéo. Pour que vous aussi, vous pouvez me donner 1 giga. Parce que j'ai fait la vidéo. Si vous téléchargez via cette description, moi aussi, je peux avoir 1 giga. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il n'y a rien de compliqué dans l'application. C'était pour vous expliquer. Et une méthode très simple pour avoir connexion gratuite. C'est une méthode très simple pour avoir connexion gratuite. Et il y a une méthode aussi. Vous pouvez réinitialiser l'appareil à chaque fois, par exemple. Si vous allez maintenir votre doigt dessus, comme ça, ils vont afficher info sur l'application. Vous allez rentrer. Et vous allez rentrer dans le côté stockage. Et vous allez, par exemple, effacer les données. Dès que vous effacez les données, l'application sera comme si vous avez téléchargé, vous venez de télécharger l'application. Si vous effacez ça, c'est comme si vous venez de télécharger l'application. Ça veut dire que tout va se renouveler. Vous pouvez te reprendre toi à zéro encore. Tu vois, c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas de configuration pour avoir internet gratuit, en tout cas cette méthode là c'est la méthode, c'est une méthode qui est très simple quoi, c'est un peu ça. Bon, si vous c'était pour vous montrer cette méthode là pour vous donner quelques idées pour avoir internet gratuit aussi. Bon, je vais vous laisser comme il y a d'autres vidéos à faire là sur ce. Bonjour à vous.